Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, on rentre à la KO pour capable porter baou une nouvelle émission. Déjà très bon dimanche à chacun de vous. Puisque jeudi, c'est dimanche 9 octobre 2022. Alors, nous allons faire un zoom dans la prochaine édition que nous avons gagné sur Chanel Silla, prochaine émission, tout, par rapport à que yon série des zones dans le pays d'Haïti pour qu'on ait, comment ça y est, parce que nous avons connaissé une annonce, côté que pays après lock, d'ici lundi. Alors, nous même nous toujours dit ça, question lock là, c'est pas véritable solution parce que lock là, c'est toujours malheureux, malheureuse qui payait conséquences là. Si nous faisons bataille, nous faisons le sérieux et pour que l'autorité soit capable de prendre les décisions qui s'imposent. Et plutôt, je suis avancé, nous suis capable de dire qu'il y a un espoir tout petit. Mais entre temps, il y a un véritable débat qui a fait au sein de la société parce que il y a une information qui déjà tombé comme quoi troupes étrangères, les États-Unis et le Canada, pour entrer dans le pays d'Haïti. Alors, dernier jour, mon n'est capable d'espérer à question si là c'est samedi qu'a venir là. Mais pour l'instant, on dit que il y a un pile débat. Dans débat ça yo, il y a un pile qui montre yo nationaliste, pas question pour que blanc vienne dans pays d'Haïti parce que blanc li commet un pile erreur, c'est eux même qui introduit choléra dans pays, hein. C'est eux même qui vini yo simay zam. Dans ghetto yo, ben un pile jeune, ben on ensemble de questions qui a fait débat au sein de la société. Et pourtant, majorité population dit malgré tout, malgré toute exaction blanc fait dans le pays d'Haïti, force étrangère, depuis 1994 avec Mewins, l'autre troupe étrangère dans les Nations Unies, malgré ça, eh bien, yo même, yo souhaité pour que gagne une troupe étrangère qui vienne. Problème en tout cas. Nous allons pour nous faire le point sur tout dossier si là. Mais entre temps, nous avons démarré l'émission avec information ça. Nous allons passer dans le dossier 400 Maozo. Katsa Maozo qui a bail problème et monsieur Sayo continue à bail problème. Yo raché et puis brûlé vif yon chauffeur. Zaksa moun ki subili c'est Robinson Louis Juste au niveau de la Croix des Bouquets. C'est triste. Louis Juste Robinson chauffeur camion et membre association travailleurs ak transport Malpass li mouri en martyr sous chimé travail li alors que il était croisé sous route la bandit groupe gang 400 Maozo. C'était donc le vendredi 8 octobre 2022. D'après président association, propriétaire et chauffeur haïtien, Mayu Changeux, qui lui-même t'a parlé dans la presse, chauffeur Sila, sauvagement exécuté par mon côté, même organisation criminelle Sila, capsimène la troublaille sous route internationale Sila. Mais c'est ça, il agit sans crainte. Parce que yo pa pè autorité yo nan peyi a. Bandi yo démembré victime nan et puis tout yo boulé li. Robinson Louis Juste, chauffeur qui a assuré trajet Malpass Croix des Bouquets, entré nan lis moun gang victime, gang touye, gang assassiné, gang brûlé. Et le pire de tout ça c'est que ces gangs là en pile nan yo alimenté par des hommes politiques et des hommes d'affaires dans le pays. C'est triste, mais écoutez, bagala toujours raide dans le pays d'Haïti. Alors que haïtiens yo attendent avec impatience débarquement yon force sécurité internationale pour capable aider mettre l'ordre dans le pays côté que gen pile action criminelle qui a passé par ci par là. Gang améo bénéficier soutien certains hommes puissants en politique dans l'économie paysan et la République dominicaine qui occupait une autre partie dans l'île d'Haïti paraît pour vivre une autre réalité. Les Libas ont possibilité pour capable organiser 10e sommet Amérique là. Annonce ça fait. Annonce sommet si là en République voisine dans date samedi 8 octobre 2022 par mon côté secrétaire organisation État américain, secrétaire général là Luis Almagro, lui-même qui commencement semaine là t'es invité gouvernement haïtien et mandé yon intervention yon force internationale sous territoire pays d'Haïti. Organisation 10e sommet des Amériques sous territoire dominicain, c'est yon grand coup diplomatique pour pays ici-là qui choisit voie stabilité politique avec investissement, contrairement à Haïti côté nèg politique yo a masturbé pour capable bénéficier gâteau corruption pour voir bail soi-disant homme d'affaires qui yon même
c'est de simples importateurs qui pas travaillent pour aider population sahraliens en souffre. Le fait que cependant Haïti dans moment n'a parlé là, c'est la honte. La caille en pile politicien ni soi-disant de nèg qui a investi dans pays ici là grâce à gang yo qui créé et alimenté pour défendre intérêt mesquin yo. Et c'est ça que faut jouer jodi à là en pile nan yo a fait jouet politique ou l'aime débat. Pas oublier. Ça qui a passé dans le pays d'Haïti, il n'est pas passé simple. Si un pile bandit a des armes, si un pile bandit a des problèmes dans ce pays, eh bien, je suis capable de dire que c'est parce que il y a des nègres politiques qui ont même financé les bandits. Et puis, il y a des nègres qui ont contrôlé l'argent dans le pays, qui ont financé les bandits en même temps. Même là où un pile bandit a parlé mal, Abdou que yo même yo banan moun sa yo, c'est pas vrai. Jusqu'à présent, nèg sa yo toujours gen contrôle bandi nan pays d'Haïti. Mwen gon ti vidéo pou nou la côté que kwè bandi a bataille avec la police. Est-ce que c'est dans le nord bagay yo rè dan pil gang au cap Abgoumen ensemble avec la police nan zone l'autre popo. Yon zone qui réputé en pile dans dossier volé à gang. Bagay l'arrête. Sou gen chance pour garder ti vidéo sa yo. Wa dit tout. Ah OK, pays a fini mes amis. Pas gen pays encore. Entre-temps faut qu'on dit que bandi enlevé Ralph Sénégal, propriétaire sa ambulance ak chauffeur li André Bazin. Yo kidnappé yo dans après-midi samedi à dans zone Croix des Bouquets. Alors que yo tap sorti en République Dominicaine, monsieur dans zone ça nèg continue à passer. Pourquoi ça nèg continue à passer dans zone quoi des bouquets même pas dans zone ça même. Tête charge. Bon, dossier ça s'il vous plaît, son dossier qui a alerté en pile monde. Et m'pense que si nèg yo mande pour journaliste et yo a joué journaliste, yo gen raison. Parce que en pile nèg journaliste jounen jodi a là, surtout nèg k ap bat les somak yo di yo c'est gros journaliste, yo pas toujours vle intervenu. Dans dossier ça, on a eu chita la parler sur question politique, il a fait deal et puis pourtant yon population a fini. M'gen une vidéo que moi recevoir. Depuis hier, il faut dire que cette vidéo li devenue virale sur les réseaux sociaux. Prisonnier kap mouri. L'on prend zone alors dans pénitencier national, ou prend prison Tigouave, ou prend prison Okaï. Prisonnier pas suspendu parce que situation yo dégradé. Nan yon moment côté gen choléra. On t'a capable dit prisonnier en misère, yo pas jeune manger, maladie a touyé yo. Donc, ensemble de problèmes ça yo constitué yon bout de ton problème et c'est ça que faut ouais, prisonnier yo a mouri. En un jour, trois prisonniers perdi la vie dans pénitencier national. Est-ce que situation capable était comme ça? Pas sûr, pas sûr. Et mandé que organisme cap défendre droit moun yo tant que j'en ai dit ça dans vidéo a journaliste yo en on font faisceau pour dénoncer question si là de manière à ce que autorité yo capable prendre décision pour résoudre question détention préventive prolongée parce que pas oublier gien pile moun qui dans prison jeune jodi a là c'est deux moun qui t'a doué entrer dans prison jodi et pour relâcher demain ou bien après une semaine. Parce que moun sa yo pa fè rien qui grave. Et gen moun ki nan prison, c'est de innocents ki yo ye. Pour qui ça non kebe yo nan prison? Pour qui ça pa gen yon politique pour capable déblayer prison yo? Hein? Pour qui ça non pas entré dans logique si la? En tout cas, c'est triste. Et surtout, nan moment côté que gen effervescence nan pays un peu partout, j'ai l'impression que yo pa pran cas prisonnier sa yo du tout. Et avec un dossier si la, nan yon bilan qui est publié sous page Facebook li. Dans le samedi 8 octobre 2022, ministère Santé publique et population fait état 19 cas confirmés choléra dans le pays d'Haïti pour 5 décès institutionnels. À côté chiffre Silla, MSPP souligne que le pays Silla comptait, je ne jeudi, 170 cas suspects parmi eux, 135 cas hospitalisation. Chiffre Sayo concernant la période Silla, qui a les premiers pour arriver 7 octobre 2022. Et il est sorti dans 5 communes dans le pays. Dans ce sens, d'après des comptes MSPP, commune Cité Soleil a enregistré 70 cas. Port-au-Prince, 84 cas. Pétionville, 4 cas.
Delma 9, Mirbalè 2, Akwa des Bouquets, Yonka. Donc ça veut dire choléra retourner dans le pays d'Haïti un maximum de précautions. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Je dis à mes amis pour vous abonner à la chaîne. Et puis, pas oublier bah, nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!